Voilà, Frolic maintenant. Michael Frolic, l'ancien des Jets de Winnipeg. Mise en échec le long de la rampe. Ça revient maintenant vers Lance Beaumont. Beaumont vers la rondelle. C'est récupéré par Henrik Sedin. Il laisse au défenseur Chris Tanev. Derrière le filet maintenant, c'est récupéré par Spiza. Et Spiza qui remet de l'autre côté pour Hutton. Hutton perd la rondelle. C'est récupéré par les Flames. On remet à la ligne bleue maintenant. Voilà, Giordano avec un tir. Arrêt de Ryan Miller. Sur un lancé de la ligne bleue de Mark Giordano. Ce match l'an dernier avec les Bruins pour le défenseur américain. Derek Englund. Englund vers Kulak. Kulak par la rampe. Voilà McCann qui se fait frapper solidement. McCann qui reprend, remet à la ligne bleue. Un tir de Barkowski. C'est bloqué devant. La rondelle qui revient. À la ligne bleue, intervention de Ham Hughes. Burroughs avec un tir. Il est beaucoup plus près à Anaheim qu'avec les Canucks. 1 minute 33 encore à l'avantage numérique. Un tir d'Alexander Edler. Arrêt de Rameau. La rondelle qui revient à Henrik Sedin. Remet à la ligne bleue. Edler de l'autre côté maintenant. Un lancé qui rate la cible. On en fond de territoire maintenant. On fait circuler la rondelle. C'est Burroughs à la ligne bleue. Fin de tir. Hutton pour Alex Burroughs. Burroughs avance. Un tir. La rondelle qui rate la cible. Et c'est récupéré par Tanev. À Hutton. Hutton avec un tir de la ligne bleue. Rondelle qui est déviée par Burroughs. Ça passe par-dessus le filet. On a quoi la passoire maintenant? En bataille à 4, ça revient vers Guéry Houdler. On a Monahan. Monahan avec une passe. Attention, c'est Hamilton. Un tir de Hamilton rate la cible. Et on a vu Hamilton se porter à l'attaque rapidement. Il devient, lui, 4 ennemis. C'est Brett Kulak ce soir qui est là comme sixième défenseur avec Derek Englund. Imagine quand Brody sera en santé. Tir de Frolic, la rondelle qui revient vers Backlund, un tir qui dévie par-dessus le filet. Henrik derrière le filet, passe pour Daniel Sedin, mais c'est récupéré par Johnny Gaudreau. Houdler perd le disque en zone neutre. Voilà Ham Hughes qui remet immédiatement pour Henrik Sedin. Deux contre un. Henrik de l'autre côté, arrêt de Rameau! Quel arrêt! Arrêt avec le bâton, alors carré Rameau sur un 2 contre 1 qui vient... De la part de Sedin, enfin, un des deux Sedin. Alors voyez ici, un revirement, c'est Henrik qui remet de l'autre côté à Daniel. Et quel jeu de la barre de Carey Rameau avec son bouclier. Il fait dévier la rondelle par-dessus le filet. Hanson, Hanson avec un tir, bloquant défensive et la rondelle qui va revenir jusqu'en territoire des Canucks. Ben, la dernière séquence des CD, tu vois que du côté des Flames. Hanson avec un tir et but! Yannick Hanson qui déjoue Carey Rameau et les Canucks prennent devant 1 à 0. J'allais te mentionner que les Flames jouent un petit peu plus sur les talons là, à la suite de l'échappée 2 contre 1 des jumeaux Sedin. Et voyez tout de suite la réplique. La contre-attaque a été rapide. On procédait. Voyez ici les changements qui sont effectués. Regardez la position de Burroughs qui s'amène file vers le gardien de but. Mais là, Carey Rameau qui avait effectué un arrêt miraculeux il y a quelques secondes, là, il se fait prendre. Ouais. Il va se laisser choir sur la patinoire. Voilà. J'ai entendu les huées de la foule. Lucas Pisa avec un tir. La rondelle qui dévie sur le mitaine du gardien. C'est repris maintenant par Johnny Gaudreau. Gaudreau perd la rondelle en zone neutre. Voilà Derek Dorsett. Dorsett se mène rapidement. Un tir de Dorsett. La rondelle qui dévie sur le bouclier de Rameau. Il se donne contre le filet protecteur. Points, ils vont en 61 matchs au moment de sa blessure. Exact. À la date limite des transactions. Il était le candidat numéro 1 pour le trophée Norris. Voilà, Daniel Sedin. Daniel Sedin avec un tir. La rondelle qui revient le but. Brandon Sutter sur le retour de lancer. Et Brandon Sutter qui marque son premier but avec les Canucks de Vancouver. C'est 2 à 0. Pingouins contre les Rangers. Et là, le retour de lancer accordé par Rameau. Et Sutter ne rate pas sa chance. Wow. Ça, c'est un but qui fait mal en fin de période. Oui, monsieur. Et au cours de la première période, Ryan Miller a été solide. Alors, beaucoup de travail attend maintenant les Flames. Pénalité terminée. On passe maintenant vers Michael Ferland. La rondelle lui échappe. C'est repris maintenant par Henrik Sedin. Un tir repoussé par Rameau. Derrière le filet maintenant, c'est Russell. Justin Williams. Il faut que tu favorises les Capitals pour terminer au premier rang de la division métropolitaine. Tir de la Ligue 2 de Barkowski, la rondelle qui se rend jusqu'à Carey Rameau qui fait l'arrêt. C'était une neuvième année de suite qu'on terminait premier et deuxième chez les Canucks de Vancouver. Quand même assez régulier. Lucas Pisa, Pisa par la rampe. Rondelle qui est récupérée maintenant par les Flames. Gaudreau à Guéry Houdler, le tir et le but! Guéry Houdler
avec le premier but de la saison des Flames, c'est 2-1. Sur Spiza, revirement de situation, passe Gaudreau en direction de Jerzy Hudler et on réduit l'écart à 2-1. Quand on parle de joueur, McDavid. L'équilibre en zone neutre vers Sam Bennett. Henrik Sedin à la mise en jeu. Ça revient à Radim Verbata. Verbata se déplace, un tir. Arrêt du gardien Rabot. Ne concède pas de retour. C'est le travail de Whiteman et de Russell. Oui, entre en collision avec Giordano. Et Giordano va reprendre de maintenant le capitaine des Flames. Johnny Gaudreau. Gaudreau qui accélère, applique les freins maintenant. Gaudreau à Giordano. Giordano s'avance, un tir. Arrêt de Miller. Et il ne concède pas de retour. Jones par la rampe, la rondelle qui revient à Jones. Jones qui pousse plus loin. Voilà. C'est Barchi qui remet de l'autre côté avant d'être frappé solidement. C'est récupéré par Chris Russell pour Dennis Whiteman. Qui est récupéré par Sam Bennett. Alors Russell qui se porte à l'attaque. Russell perd la rondelle devant Barkowski. Barkowski avec une passe pour Barchi. Barchi avec un tir. Arrêt de Rabot. Le retour. Autre arrêt de Carey Rabot. Sur un retour de lancer en plongeant. De Rabot. Rabot qui remet. C'est Henrik qui est là contre Jiri Uddaire. La passe à la ligne bleue. On est crémé de l'autre côté maintenant à Hamhuis. Hamhuis avec un tir. Oh. Et ça dévie le but. Un jeu inoffensif. Et c'est Daniel Sedin qui était devant le gardien. Est-ce que ça a dévié sur Daniel Sedin dans le demi-cercle? Et là, il y a discussion. Ah, je ne sais pas. De cet angle, je tente ma chance. Non, ça a dévié sur le bâton du gardien. Alors, Rameau fait dévier, ça frappe Daniel Sedin. On peut, ils vont utiliser la même recette que l'an dernier, où on était allé chercher 10 victoires l'an dernier lorsqu'on tirait derrière après deux périodes. La question est pertinente et elle se dresse parfaitement dans la situation. Et là, c'est tout un arrêt qu'on vient d'effectuer. Là. Le défenseur maintenant se porte à l'attaque, mais c'est un revirement. C'est récupéré par Verbata. On va s'intercepter en territoire défensif. Un bâton fracassé du côté de Monahan. La rondelle qui revient devant. Passe sur revers, intercepté. Ça revient maintenant vers le défenseur Lucas Pisa. Fin de tir dans le coin. Intervention de Derek England. Avec une passe pour Josh Juris. De l'autre côté maintenant pour Frolic. Michael Frolic avec un tir. Arrêt, le retour. C'est repris par Sutter. Sutter avec une passe pour Henrik. À Daniel. Ça revient à Henrik. Henrik à Daniel. Daniel qui veut remettre devant. Arrêt de Rabot. La rondelle qui revient à Edler. Il n'a pas placé son équipe en difficulté. Henrik Sedin, Henrik qui remet vers Daniel. Ça revient à Henrik le long de la rampe. Passe sur le tir. Arrêt de Rabot. Tire sur réception de Yannick Hansen. 7 avec une passe maintenant pour le défenseur Hutton. Et Hutton perd la rondelle. Le tir qui a été bloqué. C'est repris par Josh Juris. Voilà Lance Beaumont maintenant. Beaumont qui tente une passe soulevée de l'autre côté. Beaumont avec un tir. Arrêt de Ryan Miller. Rondelle qui revient en zone neutre. C'est repris par Mark Giordano. Oh! Rabot. Vraiment son défenseur derrière le filet. La passe en zone neutre pour Jiri Uddaire. Uddaire du revers. Bon repli de McCann. McCann pour Burroughs. Voilà Alex Burroughs. Burroughs avec un tir. Oh! Et le but! Ça dévie sur le défenseur Whiteman. Et c'est un quatrième but pour les Canucks. Dennis Whiteman qui marque dans son de Calgary. Burroughs est très patient, prend bien son temps. Il vise une passe de l'autre côté à son coéquipier. Whiteman, lui, veut intervenir, ce qui est tout à fait normal. Hansen se dirigeait rapidement vers le filet. Et la rondelle va dévier sur le bâton du défenseur. Et c'est 4-1. 0-2. 5 tirs au but. Edler laisse la rondelle derrière maintenant. Voilà, passe pour Verbata. Tire de Verbata. Arrêt de Rabot. Voilà, Daniel Sedin vers Henrik. Henrik, surveillé par Chris Russell. Whiteman est là également. Brandon Sutter. On a qui revient à la ligne bleue. Un tir de Edler. On fait dévier. Arrêt de Rabot. Le retour. Tire du revers de Sutter et arrêt de Carey Rabot. À Hutton. Tanev. Archie. Sven Barchi de long de la rampe. Revient sur ses pas. Cherche une ouverture. Finalement, Horvat avec un tir. Arrêt de Rabot.
C'est Derek Englund qui va aller récupérer chez les Flames. Un passe maintenant pour Frolic. Mike Frolic à Bennett. Bennett avec un tir. On se rend au filet. Arrête de Ryan Miller au départ de Josh Juris. Hockey dans les rangs universitaires aux États-Unis. Un Canadien de 22 ans. Derrière le filet maintenant, on tente de remettre le vent et la rondelle est récupérée par Henrik Sedin. Henrik Sedin avec un tir de but! Henrik Sedin qui surprend Carey Rabeau et c'est maintenant 5-1. Encore une fois, c'est le travail de sauteur. Je crois que c'est derrière le filet. Cherche à remettre devant, insiste par la suite, va déranger Giordano. Et là, le travail de Sedin Henrik. Regarde, il n'y a pas d'espace. Bang! Wow! Wow! Là, nous avons choisi le bon joueur pour le titre du joueur du match. Devrait récolter une mention d'assistance sur ce but. Rameau qui laisse la rondelle maintenant pour Whiteman. Whiteman vers Sam Bennett. Bennett qui passe à Frolic. Frolic avec un tir. Arrêt de Ryan Miller. Russell avec un retour. Autre arrêt. Et c'est repris par Henrik Sedin. Américain. Derek Englund qui récupère la rondelle. C'est terminé à Calgary. Une victoire convaincante des Canucks de Vancouver. Et quel début de Brandon Sutter dans l'uniforme des Canucks. Un but de base.